Deux manières d'observer le réflexe tonique asymétrique du cou, une debout, l'autre à quatre pattes. Donc pour celle debout, les pieds sont rassemblés, les bras devant, poignets souples, coudes déverrouillés, les yeux sont fermés, et je vais dire à la personne que je vais amener sa tête en rotation d'un côté et que ses bras vont rester devant. Donc lentement, je tourne la tête d'un côté. Je reste quelques secondes. Je ramène la tête au centre. Et je vais tourner la tête de l'autre côté. C'est bien moi qui tourne la tête de la personne et pas la personne qui tourne sa tête elle-même. Et j'observe, est-ce que les bras suivent la rotation de la tête. Donc on va vous montrer ce qu'on peut observer à ce moment-là. Tes bras restent devant, je vais tourner ta tête d'un côté. Et on voit les bras qui se déplacent de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, jusqu'à 90 degrés, qui suivent le mouvement de la tête. On peut observer uniquement le bras du côté occipital qui fléchit, c'est possible aussi. Et plus rarement, mais ça arrive quand même, le bas du corps, les bras restent devant, mais le bas du corps part en rotation. Ok. Donc quand tout est bien intégré, on doit avoir une indépendance totale entre les rotations gauche-droite de tête et les épaules. Voilà. Pour l'observation à quatre pattes, donc j'ai demandé à la personne d'avoir les coudes pas trop verrouillés, hein, légèrement déverrouillés, bien souples. Et puis je porte sa tête dans mes mains. Donc lâche ta tête, voilà. Et lentement, je vais amener la tête en rotation d'un côté. Et j'observe pas de modification de la position 4 pattes, ni au niveau des bras, ni au niveau du bassin. Je reviens au centre, lâche ta tête toujours. Les coudes sont toujours déverrouillés. Et lentement, j'amène de l'autre côté. Ah ! Et là, j'observe qu'il y a un fléchissement du bras du côté occipital. On réessaye une fois encore. Et parfois, c'est le bassin aussi qui tourne. Voilà. Donc la rotation de tête ne devrait pas occasionner de fléchissement des bras ni de rotation au niveau du bassin quand le réflexe tonique asymétrique du cou est parfaitement intégré.